Salut à tous, c'est Gentlefun. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci ça va être une nouvelle vidéo de mes pépites du moment. Donc la dernière fois on avait vu le SU 122-54, donc tir 9 russe qui était vraiment, enfin qui reste toujours un de mes chers favoris du moment. Et cette fois-ci on va passer toujours à un tir 9, ça va être le M46 Patton. Mais avant de discuter de ce char, juste pour vous dire que bon nombre d'entre vous, une bonne partie d'entre vous a trouvé les réponses en tout cas pour qu'est-ce qui n'a pas fonctionné à la dernière vidéo, lors de la dernière vidéo. Donc pour ceux qui n'ont pas trouvé, ce sont tout simplement les FPS pour les deux vidéos et le format de la vidéo qui était absolument dégueulasse. Donc désolé pour ces petits problèmes techniques, on va dire. Et on va passer tout de suite au sujet de la vidéo du jour. Donc le M46 Patton, pourquoi est-ce que je l'apprécie? Pourquoi est-ce que je l'adore d'ailleurs? Tout simplement parce que c'est un char qui a un excellent DPM, qui a une dépression de canon qui est vraiment top. Je crois que c'est 9 degrés de dépression de canon. Il n'est pas forcément super mobile comme un Light, un Batchat, ou etc. Mais il se déplace bien et ça lui donne un peu de pas mal de flexibilité en fait. Et c'est ce que j'apprécie sur ce char, de pouvoir être flexible et pouvoir mettre le DPM à profit. Donc voilà, c'est pour les raisons pour lesquels j'apprécie à première vue ce char, et ensuite je vais vous montrer donc quelques parties pour vous illustrer cela et développer un peu plus. Donc on va passer maintenant au game. Donc première partie, je suis sur Middlebourg, donc dans mon M46 Patton. Je suis avec Darren de mon clan que vous connaissez tous. D'ailleurs, je mettrai le petit lien de sa chaîne YouTube en description. Dans la description, donc on est sur Middlebourg en suprématie. Donc vous savez, il y a un point au niveau de la colline, deux points dans la ville. Au niveau de la composition des équipes, on a 3 mecs, donc ça c'est plutôt bon. On va voir si on peut choper les 2 mecs, les 2 mecs et demi. Donc il y a tout d'abord un 140 et un T-54. Donc à première vue, vous voyez le Patton, ça ressemble très très fortement au Pershing qui est auto-tir 8. Au niveau accélération, vous voyez, c'est plutôt bon. Vitesse max est un peu limitée, mais c'est pas forcément dérangeant. 140 qui est spoté, on va pouvoir lui passer un petit tir. Et donc le 105 qui est vraiment très très bien. J'adore ce canon sur ce char. Ça vous permet d'avoir un super DPM en plus. Bon, le problème c'est la pénétration. Vous n'avez pas forcément quelque chose de super au niveau peine, mais vous voyez, ça fait largement le taf. Au niveau temps de rechargement, c'est très bon aussi. Donc là, on va choper le T54 si on peut. Donc là, j'ai les obus calibrés. Hein. J'ai les obus calibrés. Il me semble que pour cette partie, j'étais pas à 100% d'équipage. Donc c'est pour ça que vous avez un temps de rechargement qui est d'environ 8 secondes, donc c'est relativement correct pour un 105, et même s'il n'est pas à 100%, et ça fait plutôt le taf. Donc là on a un 0, on a une base chacun. Donc la base B est en train d'être capturée, donc l'allié 7 a l'air de vouloir avancer, pardon. Donc on va continuer, essayer de contourner un petit peu et voir un peu ce qu'on peut faire. Donc le Patton, au niveau blindage, c'est pas forcément ça. Ne vous attendez pas à quelque chose de blindé comme le M48 Patton. Là, petit 183 qui est spoté, on va pouvoir lui passer un petit shot tranquillement, voir si on peut pas aller caper en même temps. Donc là, le Jag, ne regardez pas, c'est parfait. Et on va pouvoir caper le petit point A tranquillement. Hein. Donc personne qui nous regarde, c'est parfait. Donc le Patton, c'est forcément un char qui ne se jouera pas au contact. Hein. C'est pas un T54. Et c'est pas un Centurion 7-1 qui peut tenir une petite colline, etc. De lui-même. Mais il est très très bon pour faire du soutien, etc. Donc là, encore un petit shot qui fait toujours plaisir sur l'IS-8. Et vous voyez, là vraiment, je choisis plus ou moins. Donc là, petit bond. Je choisis les cibles à tirer et j'essaye d'assister au mieux mes alliés. Donc là on est à 2-0 déjà, 3-0 maintenant. On va pouvoir continuer d'avancer. Petit tir sur le tortoise qui passe pas, j'ai pas forcément visé. Et là le Jack Tiger qui se présente. Donc là on va recharger tranquillement, on va attendre d'être rechargé pour piquer, mettre un petit tir dans la caisse. Et vous voyez, en marche arrière, vous avez 20 km/h de marche arrière. C'est plutôt pas mal, c'est vraiment bien. Ça vous permet ce genre de truc que je suis en train de faire. En fait, je place un tir et je recule
tranquillement. Le Jack Tiger n'ayant pas de tour, ça va me permettre en fait de le manœuvrer sans me prendre un seul tir, et on est déjà à 5-1. Donc vraiment là je pense que ça vous montre un peu le potentiel de maniabilité du Patton, son canon qui est vraiment très très bon, il est plutôt précis d'ailleurs. En mouvement c'est aussi assez précis, j'ai pas eu à m'en plaindre. Et là vous voyez à 1600, je suis toujours à 1650 HP, donc ça va me permettre peut-être d'avoir le quatrième kill et on finit la game full HP alors que bah, on a fait le taf, hein, vous avez vu, il n'y a pas eu photo, il faut juste éviter de prendre la première ligne et vous vous en sortez très bien. Donc première partie, petite lassune à 3800 dégâts, Darren qui a fait le taf aussi dans son STI à 3000 dégâts, donc un petit carry à 6700 et on va passer à la game suivante. Deuxième game, cette fois-ci c'est sur Malinovka, donc Darren qui est cette fois-ci dans son T-54, en face vous avez vu on a un peloton Limor, donc en E-75 et en M46 Patton, donc un très bon peloton. Donc on va se diriger, c'est encore en suprématie, on va se diriger côté A, vous voyez on a l'avantage au niveau médium, on peut dire ça, on a 4 médiums, 1 light, ils ont 2 médiums, 2 light, ils ont 3 heavy, on a un heavy, un TD, donc ils sont nettement plus blindés. On va quand même faire attention, ils ont un RU qui peut nous spotter d'assez loin, ils ont un T49 aussi, ça peut faire très mal sur un Patton, donc je vous conseille de faire attention. Le RU est spoté, le Patton est spoté, donc on va lui passer un petit tir tranquillement, sachant que Darren lui en a passé un également. On se remet à couvert, donc là j'étais spoté, donc normal, vous me direz, parce que, cause du camo qui descend avec donc avec le tir. Donc là un autre tir sur le M46 Patton qui s'est beaucoup trop mis à découvrir, c'est parfait. Et là je me prends un tir du E75, c'est malheureux, bon c'est pas grave, on va passer un tir sur le RU tranquillement, se remettre à couvert si besoin, donc là il n'y en a pas forcément besoin et on va continuer d'avancer. Donc le Patton et le RU étaient censés être seuls, en fait il y a un T-50-81 qui campait, donc on va pouvoir lui passer un tir tranquillement. Vous voyez au niveau précision il n'y a pas forcément de soucis particuliers là-dessus, ça permet de passer ce genre de shot assez efficacement. Donc là on va voir si on peut pas, non on n'aura pas de tir sur RU, c'est pas grave. Là je vais contourner tout simplement parce que vous connaissez le T-50-81, il est un barillé qui fait 900 d'alpha et j'avais pas forcément envie de me prendre dans la face une fois que je sors. Donc là on va en profiter pour aller flanquer, Darren est en train de les occuper, c'est nickel, moi je vais pouvoir en profiter pour aller choper le M46 Patton, le T49 s'est fait amorac par Darren, donc là je me prends un deuxième tir qui bounce sur ma tourelle et on va pouvoir lui passer un petit tir tranquillement. E75 qui est spoté, donc là c'est le pote du M46 Patton, donc on va quand même faire attention, le E75 qui a l'air de nous vouloir, là malheureusement j'ai bounce. Je voulais faire le premier galet et les dégâts, c'est pas grave. On va pouvoir lui en repasser un tranquillement avant qu'il ait rechargé, lui faire la track. Donc c'était déjà fait, c'est parfait. Et continuer d'engager. Bon, j'ai mon driver qui s'est fait shooter, c'est pas grave. C'est pas forcément préjudiciable pour l'instant. On est maintenant à 4-1, bientôt à 5-1. Darren qui finit le petit E75 pour son cinquième kill. Et on va se diriger vers l'IS. Et le Tiger qui sont de l'autre côté de la map, sachant que je suis à 440 HP, donc on va essayer de faire attention. Donc là, pour l'instant, l'IS3 est bien held down, donc on va éviter de le shooter. On va attendre qu'il essaye de passer. Le Tiger qui a l'air de vouloir avancer, c'est parfait. On va le laisser avancer et lui passer un petit tir tranquillement pour lui faire quelques dégâts. Continuer de peut-être de lui en passer une, on va peut-être pouvoir... non, c'est pas le cas. Il y a eu un petit lag, je sais pas ce qui s'est passé. J'ai tiré beaucoup plus tard que ce qui était prévu. C'est pas grave, on va pouvoir en passer un sur l'IS3 tranquillement. Et bien peut-être laisser le sixième kill à Darren que à l'époque je n'avais pas du tout remarqué. Et donc là on va pouvoir lui en passer un tout sur le côté tourelle. Et j'avais absolument pas vu qu'il avait le
La poule peut-être à avoir. Donc désolé à toi Darren, j'avais pas forcément vu cela pendant la partie. 3600 dégâts, une classe 2 encore une fois. Darren qui a chopé ses 5 kills à 1700 dégâts. Donc là vous voyez très clairement, c'est un char qui est vraiment pas mal en soutien, qui permet de jouer énormément avec la cadence de tir. Donc dès que vous restez en deuxième ligne, c'est plutôt pas mal. On va passer maintenant à la troisième game. Donc partie numéro 3, cette fois-ci, je suis avec J-Dog, qui est aussi de mon clan, pardon, qui est aussi un Patreon. Donc il est dans son AMX-30 prototype. Donc c'est l'un des chars que vous pouvez avoir avec les coffres. On est sur Baie du Port en suprématie. Donc on est bâtière cette fois-ci. Donc il y a 4 tiers 10 de chaque côté. Donc on va se diriger côté C, côté médium. Ils ont 3 médiums, on en a 3. On a un light en plus. Donc on peut penser en tout cas qu'il n'y aura pas forcément de soucis au niveau du côté médium. Donc on va se diriger de ce côté-là. J-Dog a quand même une très très bonne tourelle, donc ça va pouvoir lui permettre d'être en hold-down. Il a 10 degrés de dépression, donc c'est parfait. Donc pour l'instant on n'a spoté personne, on va quand même rester assez prudent. Notre Batchat est parti côté C pour caper. On spot le léopard PTA, et donc là j'ai hésité à continuer d'avancer. C'est pour ça que j'ai pas forcément eu le shot que je voulais. Là malheureusement mon tir c'était un peu ambitieux, même à la PCR sur un E100. Sachez que là, même avec les obus calibrés, c'est compliqué de percer une tourelle de 100 de face comme vous pouvez le faire avec un heavy. Donc je vous déconseille de le faire. Donc j'ai été spoté le E4, malheureusement j'ai pas pu lui passer la dernière pilule. C'est parti dans le T54, c'est pas grave. Toujours à la PCR, hein, donc j'ai pas forcément pris de risque. Là, mon tir est parti un peu n'importe où sur le sang. Donc, ce que vous pouvez voir, c'est que il est quand même, même s'il est un peu pâteux, ça je vous l'accorde, il est quand même plutôt mobile. Là, on a évité de très peu le tir du T95. Il est quand même assez mobile, assez maniable. Ça tourne très bien sur lui-même, donc c'est plutôt pas mal. Donc, le sang qui est un alpha, c'était un des clans les plus en vue sur le jeu. Donc, là, j'ai choisi de prendre le tir du T95 pour sortir le PTA. C'était pas forcément une très bonne idée, mais bon, on est déjà à 2-0. E100, là, c'est même pas la peine d'y penser. J'aurais jamais un angle sur lui. Donc là, on va attendre tranquillement, voir comment on peut se redéployer le T54 et si le 140 eh bien, décide de se replier de mon côté. Donc T54 qui est spoté, on va pouvoir lui. Non, pas, on va pas pouvoir, donc c'est pas grave. Le 140, on va le finir tranquillement avec le max roll. Vous savez le skill qui permet d'avoir un max roll tous les 5 tirs pénétrants d'ailleurs. Et donc là on va essayer d'engager le petit T54. Donc là on va lui passer un petit tir tranquillement. Et donc là le sang qui me regarde assez méchamment. T54, est-ce que je vais. Non, malheureusement mon tir est parti sur la droite alors que je voulais tirer sur la gauche, c'est pas grave. Donc là on est à 3-3, c'est loin d'être gagné. Mon objectif là ça va être de sortir le sang, mais surtout ne me pas me prendre un tir à 650 du sang. Donc là très clairement je suis tranquille, j'ai pas forcément la pression. On est à 3-4 maintenant, mais je tiens deux chars de mon côté. En fait ils peuvent pas pousser tant qu'ils me seront pas passés sur le corps. J-Dog est full life. Donc là le tir sur le sang pendant qu'il y avait la tourelle tournée, j'ai pas réussi à lui passer, c'est pas grave. Toujours à la PCR, hein, donc c'est l'un des petits défauts du M46 Patton. Donc là sur le bas de casse du E100 c'est très bien passé. Le T54 qui veut me choper, là il boule sur ma tourelle, non sur ma chenille pardon. Donc c'était assez chanceux de ma part. Et donc là il reste plus que le T95. Donc J-Dog est full life, donc pas de soucis là dessus, il lui passe un peu petit tir tranquillement. Le tir en mouvement, quand je vous dis que le tir en mouvement est plutôt bon, bah qui part n'importe où, c'est pas grave. Cette fois-ci on va charger la hache parce que vous avez une hache dessus qui est plutôt pas mal. 480 dégâts, ça fait toujours plaisir. Et on va essayer de bloquer le T95 pour que J-Dog le finisse. Et donc en finale je prends le cinquième kill, c'est pas grave. Une petite game bien sympa, vous avez vu encore une fois ça prend pas forcément très très bien les coups, mais ça en donne de très gros quand vous êtes en soutien. Encore une fois, donc petite classe 1, une Radley à 3000 dégâts, J-Dog à 3200, petit carry à 6400, et on va passer maintenant à la dernière game.
Donc dernière game, je suis encore avec J-Dog, toujours dans son AMX 30 prototype. Donc là, on est encore une fois sur Malinovka et encore une fois en suprématie. Cette fois-ci, on est top tier. Donc il y a 5 tiers 9 de chaque côté. On a 2 med, 1 light. Ils ont 3 med, 1 light. Donc ils ont l'avantage au niveau mobilité médium. Donc on va pas forcément aller s'aventurer du côté du point A. Sachant que, comme je vous l'ai dit, c'est pas du tout un char. Donc le M46 Patton n'est pas du tout un char de première ligne. L'AMX 30 prototype peut tenir un peu mieux la ligne, mais c'est pas forcément le pied en tout cas avec ce char. Donc on va se diriger côté heavy, on va se diriger côté point C, voir si on peut pas caper tranquillement. On s'attend à ce que voilà, donc l'ennemi commence à caper la base A, c'est parfait. Ça nous indique quoi? Ça nous indique que l'ennemi, ben, les médiums sont partis en bas, c'est parfait. On voit le 50-100 qui est spoté, c'est pas grave, on va commencer à caper. De toute façon, il n'y a pas la dépression de canon pour nous choper, on a quand même pas mal d'alliés. Donc là, on va se mettre à l'abri de la maison, on ne sait jamais. Et d'ailleurs, mauvais calcul de ma part, voilà, j'étais pas forcément très très bien hein, derrière la maison, c'est pas grave. Donc la base C qui est capée, et là E75 qui est spoté, donc on va essayer de choper le char isolé, donc le 75, donc on va pouvoir sortir tranquillement. Donc là on lui fait que la track, malheureusement il fait que notre track également, c'est parfait. Donc on va pouvoir lui passer un petit tir à la PCR, tout simplement parce que j'avais pas du tout envie de bouncer un tir sur un E75. Donc là en plus il avait le canon du Tiger 2. Bon là je me suis pris un tir en reculant, c'est pas grave, on va lui faire la trappe tranquillement. Donc il avait le canon du Tiger 2, je pensais qu'il y avait le canon à 450 d'alpha à la base. On va lui refaire la trappe pour soutenir le T54 Light. Johnny a pris un peu cher derrière, il a tenté de tenir. Donc là je vois que mon équipe s'en sort très bien et on va continuer sur le RU251 qui a l'air d'en vouloir à Johnny assez fortement. Donc on va lui passer un petit tir, donc notre équipe va aussi lui passer un petit tir tranquillement. Et là je vais charger la HE parce que sur un RU ça passe très bien, il bounce sur notre tourelle, c'est parfait. Et on va ensuite s'occuper du petit T54E1 qui va être le suivant. Donc on va lui passer un tir tranquillement, on est déjà à 4-0. Donc là les deux boons, je ne vous conseillerais pas de compter là dessus en M46 Patton. C'est des boons sur des angles assez chelous de la tourelle, ça n'arrivera pas tout le temps. On va continuer sur le Centurion 7-1, là très clairement on est à 5-0. Donc je vais en mode plus ou moins YOLO choper le 7-1 qui ne fait pas du tout attention à moi. Donc là j'ai pas réussi à avoir la track, c'est pas grave. Petit tir du type 61 sur moi, c'est pas grave non plus, j'ai assez à 2 HP pour tanker. On va lui passer un dernier tir et on va s'occuper du type 61, charger la HE parce que la HE passe très bien. Et vous voyez avec le skill, ben ça fait un petit roule à 550 qui fait toujours plaisir. Donc on va lui passer une dernière HE pour 421 et notre troisième kill. Donc encore une fois, toujours en soutien, jamais en première ligne à part pour le 75, mais bon après je me suis remis en deuxième ligne. Et 3850 dégâts pour une petite ace à 1472 XP, plutôt pas mal. Johnny a 1550, il a pris un peu cher mais encore une fois il a réussi à survivre. Donc le Patton, pour conclure, qu'est-ce que j'adore à propos du Patton, j'adore sa mobilité, même si elle n'est pas forcément top, ça permet de faire pas mal de choses, son DPM, sa dépression de canon, et vous savez, vous commencez à connaître mon gameplay, etc. Donc moi je préfère les chars qui, même s'ils n'ont pas de blindage, avoir un peu de mobilité, un peu de dépression de canon, ça permet de faire pas mal de choses. Le 105 qui est vraiment très bon, assez précis, assez bon en mouvement également, comme vous avez pu le voir et pas le voir forcément. Une HE qui passe plutôt bien sur des chars pas forcément très très blindés. Donc grosso modo le M46 Patton, c'est un médium qui est très bon en hold down, en soutien, qui prendra jamais très très bien la première ligne, mais c'est un gameplay que j'adore, qui demande un peu de réflexion, un peu de science du positionnement, et qui est pas un char un peu opérus comme le T54 ou
plus ou moins tout lui est donné, le blindage, la mobilité, le DPM, etc. Donc là, ça demande un peu plus de réflexion, ça demande un peu plus de technique, donc c'est vraiment un gameplay que j'apprécie, et un char que je vais conserver, parce que j'ai débloqué le M48 Patton assez récemment, donc attendez-vous à le voir sur la chaîne dans un futur plus ou moins proche, tout dépend le temps que je mets pour l'équiper. En tout cas, M46 Patton, un char que j'adore, que je conserverai comme le 622-54 et qui est vraiment très très agréable à jouer comme vous avez pu le voir. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Ma petite vidéo sur ma pépite du moment qui est le M46 Patton. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut!